comme l'ont révélé les scriptures saintes, de rendre grâce à Dieu. Et Dieu a fait cette année que nous avons jeûné avec nos frères chrétiens, c'est pourquoi vous avez pu le tirer. Et nous avons eu un seul début de Ramadan et je prie Allah, Inch'Allah, pour qu'on ait une seule priorité. Cette année, quand même, c'est une année exceptionnelle. Nous allons profiter quand même. Venir aider. Non, sans blague, tout pourrait être dans le besoin. C'est le sens, en tout cas, de l'événement qu'on a organisé ce jour. Monsieur le directeur, depuis votre avènement dans l'année politique, bon nombre de vos actions sont orientées au profit de la gente féminine. Y a-t-il une explication par rapport à cette démarche également? Oui, bon, il y a une. La première explication, elle est peut-être astrologique. Je suis du signe Cancer, qui est un signe de féminité par excellence. Ça aussi, c'est des recherches que j'ai faites. Et donc, man affaire jigen, mon midi. Ça aussi, c'est. C'est depuis ma naissance. Vous pouvez regarder vos signes et faire des recherches. Donc mon signe est lié à la féminité. Donc ne soyez pas étonné que je sois. J'ai le plaisir de me voir tout le temps entouré de femmes parce que je préfère la compagnie des femmes à celle des hommes, comme on dit. Mais bon, ça c'est pour charité. Mais ce qui l'explique, c'est d'abord, je dirais, une conception de la vie. Vous savez, on est tout individu, le produit de son parcours, etc. J'estime que, bon, si quand même, vous savez, des gens que je connais, on a fait l'école ensemble. Dieu a fait que moi, je suis dans une station, c'est normal de retourner et de regarder ce qui, bon, que le système a laissé en rate. Et je rappelle aussi que c'est une instruction forte de son Excellence le Président de la République qui nous demande de retourner vers les populations et de les appuyer. C'est pourquoi d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'il nous a donné d'autres responsabilités pour qu'on puisse revenir à la base et aider les populations. C'est une orientation forte de son Excellence. Et c'est tout le sens, en tout cas. Et l'un, je pense, ne va pas sans l'autre. Moi, la politique et la religion, moi, je ne vois pas de différence. Surtout comme on le fait nous, ici à Dieu. En tout cas, c'est tout le sens de l'événement que nous avons. Monsieur le directeur, également, aujourd'hui, vous avez dans votre agenda poser un acte fort par rapport à la concrétisation du nouveau stade de Tchonkessil. Vous avez également rendu et tenu une séance de travail avec le personnel de l'hôpital où vous avez renouvelé cette couverture santé au profit des femmes par rapport à leur accouchement, une radiographie au profit des populations, en plus d'une ambulance médicalisée, modernisée. Qu'est-ce qui fait courir Ben Sambou? Bon, pas grand chose. C'est d'être au service de son prochain. C'est d'être au service de ces jeunes qui se sacrifient. Parce que vous appelez des gens, ils sont là avant vous, et vous partez, vous les laissez ici. Et donc, j'estime que l'on va faire de cette faille. On a fait pour nous dire les décisions. Le plus fort, on a un dit. Pour la population, nous avons maintenu. Ben def lañ jar bu ne bu soba yalla dañ fa dem bu mu jar Allah. Je veux dire en fait ce qui explique cela c'est qu'aujourd'hui quand vous êtes dans une situation où vous avez la possibilité de vous projeter là où les décisions se prennent vous battez pour être là-bas si vous avez quelque chose vous le ramenez à la base. C'est aussi simple que cela. Ce n'est pas de l'exhibitionnisme, ce n'est pas du voyement, mais c'est d'être au propre chevet de notre population, qui le mérite. Parce que quand j'appelle, les militants ils sortent, ils passent la journée, ils restent chez moi jusqu'à des heures tardives. Et là, on fait ça. Lors de la nuit, vous l'avez fait. C'est eux qui ont été président Falma. Moi, je suis gore. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Parce qu'après, vous entendrez beaucoup de choses. Mais l'autre chose. Ben Sambou, au service exclusif de sa population, de sa communauté, que leur demandez-vous en retour? Ben, en retour, vous savez, comme on est des acteurs politiques, nous sommes en train de nous faire.
mobiliser, qu'elle reste à la disposition, qu'elles écoutent leurs responsables, à qui le président a confié des responsabilités. Dans la discipline, parce que nous avons un pays à construire. Et nous allons le construire, Inch'Allah. Moi, si j'ai quelque chose à demander, merci, monsieur. Merci. Merci.